Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que ça va plaire à pas mal de gens pour les gens qui utilisent évidemment un Mac. Vous savez que sur Mac, il n'y a pas d'application Xbox. Quand on regarde sur le store, tac, vous mettez Xbox. Alors là, c'est pas facile parce que je n'ai pas de truc là. Trépied, donc vous regardez si vous voilà Xbox app, il n'y en a pas, il n'y a que des trucs pour la manette et ainsi de suite. Bref, donc ça va vous permettre en fait, c'est Chromecast, voilà, c'est OneCast plutôt, donc dont je voulais vous parler, et ça va vous permettre de diffuser votre console Xbox sur votre Mac. Voilà. Et attention, on est vraiment loin en termes de qualité, on est loin devant le xCloud. Hein. Alors, il y avait la version Xbox One. Avant, ça marchait avec que les consoles Xbox One. Mais avec les consoles Series, donc fallait attendre la mise à jour. Donc, vous pouvez voir ici sur le site, c'est OneCast. Donc, ça existe sur Mac et puis sur les téléphones Apple. Vous pouvez télécharger, je pense que vous avez un mois gratuit pour tester le service. Et si vous voulez acheter, non, c'est ici Purchase. Alors, tac, pour acheter, donc voilà, ça fait environ 30 euros. Voilà. Sachant que le prix original, c'est 40 euros ici. Ouais, donc là, c'est en promo, je pense, n'hésitez pas. Moi, je l'avais acheté il y a bien longtemps et je l'utilisais d'ailleurs pour streamer mes jeux sur mes jeux avec le Mac. Voilà, j'utilisais OBS. Donc, vous voyez, là, j'ai ma manette. Pour les personnes qui sont intéressées pour cet accessoire-là, c'est C2 Grips. Donc, vous pouvez poser même votre manette comme ça. Franchement, c'est stylé. Alors, donc là, malheureusement, là, j'ai une main et l'autre, je tiens le téléphone. C'est compliqué, hein. Franchement, en termes de latence, vous pouvez voir, hein, on est loin, ça n'a rien à voir, hein, avec les trucs xCloud. C'est plus avancé, c'est plus qualitatif. Alors, le mieux, je pense, c'est de lancer un jeu, mais ça va être compliqué de jouer. Alors, attendez, on va voir si je lance Fortnite. Franchement, vous n'avez même pas l'impression que c'est du xCloud ou quoi. C'est trop bien fait. Et je me rappelle, j'utilisais ça avec la One X. Alors, tac. Je me connecte à mon compte. Ouais, je peux mettre le son. Donc, vous entendez. Alors, tac. Alors, ça, on peut passer. Oui, vous n'avez même pas l'impression, c'est lui. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez? Je fais le test, hein. Vous voyez quand j'appuie pour aller à droite. Regardez, tac, tac. Voilà, c'est trop bien. Maintenant, il faut que j'aille en in-game pour tester. C'est quoi ça? Non, peut-être plus tard. Allez. Fermé. Voilà. Alors, on va essayer Battle Royale. Comment est-ce que je peux changer solo, classe solo, classé, non. Voilà, on va lancer une partie BR pour voir. Ah. Vous voyez quand je me déplace,
Oh là 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 là. J'appuie sur A pour sauter. Regardez, hein. Non mais regardez, s'il vous plaît. Vous voyez, hein. Voilà. En termes de latence, rien à voir avec celui du xCloud. Franchement, très belle application. Et l'avantage, c'est que bah, si parmi vous, il y en a qui ont un Mac qui est assez puissant ou quoi, vous pouvez streamer sur YouTube ou bien sur, je sais pas, sur Twitch, sur Kick, avec votre Mac. Voilà. Il suffit tout simplement d'installer OBS. Alors, comment est-ce que je peux faire? Voilà, donc, hop, je vais ouvrir, par exemple, OBS. Bon, attendez, on va voir ça après. Donc là, comment je peux descendre? Alors, c'est parti. Alors, je vais viser vers le bas. Voilà, on va partir. C'est pas facile avec une main, les gars. Je vais me faire défoncer. Le but, c'est vraiment de tester in-game pour voir ce que ça donne. Alors, je peux pas savoir combien de FPS j'ai. Oh non, il y a quelqu'un qui est avec moi. Laisse-moi tranquille, je suis en train de faire une vidéo test. Bon, tu vois, je saute. Oh non, il est dans mon bat. Vous voyez, j'appuie sur RT. Non, non. Ah, ah. Non, t'as la chance. Oh purée, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, tue-moi. Regardez, il n'arrive même pas à me tuer. Oh, c'est bon, il l'a fait. Du coup, là, on va retourner à l'accueil. Ok. J'appuie sur le bouton guide. Et en fait, comme vous pouvez le voir, donc c'est une diffusion. Alors, on va quitter le jeu. Je vais juste vous montrer concernant le... comment ça s'appelle le OBS. Donc là, vous voyez, j'ai mon OBS qui est ouvert. Donc, on va faire capture de fenêtre. J'espère que ça va passer. Faut pas que je dise des bêtises. Capture, oh, voilà. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Ou bien capture de fenêtre. Attends, j'arrive pas à voir ça. C'est où? Capture d'écran. Bon, on va mettre capture d'écran pour voir. Mac. Ah, capture de fenêtre. Donc, je vais mettre OneCast. OneCast, OneCast, OneCast. C'est où? J'arrive pas à voir le truc. Ça, c'est SteelSeries. Alors, je pense que c'est parce que c'est en full. Ouais, c'est pas en fenêtre. Là, ça doit apparaître normalement. Alors, où est-ce que tu te trouves? Attends, je vais mettre annuler. On va propriété, capture de fenêtre. Ah, voilà. Donc OneCast, donc vous voyez, tac. Donc pour les personnes, et là je fais 1000 Canva, donc je fais non. Attends, adapté à la fenêtre. Là je fais clic droit. C'est ici clic droit, donc je fais transformer, adapté à l'écran. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est ici. Après, le plus facile, évidemment, c'est une capture d'écran. Comme ça, vous allez être en full écran, comme ça. Tac, vous mettez full écran. Donc, quand vous faites ça, vous voyez bien qu'il y a votre OBS. Voilà, qui est là, qui est actif. Vous voyez. Donc,
quand je bouge, après là, vous pouvez pas voir, mais il y a du côté de OBS aussi, et c'est en train de bouger. Voilà. Avant, je faisais comme ça pour faire mes lives. Après, je suis passé sur Windows parce que c'est plus sympa, il y a plus de logiciels et ainsi de suite. Mais voilà, ça peut être une alternative pour les personnes du coup qui utilisent un Mac. Alors pourquoi? Ah oui, une chose aussi qui est importante, c'est que le Mac et la console doivent être sur le même réseau. Ça veut dire que vous devez être à la maison, quoi. Alors, même si vous me dites, mais pourquoi ça vaut pas le coup? Parce que je suis à la maison, je peux jouer sur la télé. Bah, il se pourrait que la télévision soit occupée parce que bah, il y a vos membres, les membres de la famille qui veulent regarder un programme. Donc, vous allez vous retrouver bloqué. Donc, ça, c'est une alternative pour diffuser vos jeux sur votre Mac et puis pour jouer. Franchement, je vous dis, la qualité, elle est différente de xCloud. On en est loin. En termes de latence, c'est bien fait. C'est, voilà, c'est des pros, ces gens-là. Une très belle application, donc environ 30 euros, qui est en promotion actuellement. Sinon, ça fait dans les 40 euros. Voilà. Et maintenant, c'est possible d'utiliser, que ce soit avec la Series X ou bien la Series S. Avant, ça ne fonctionnait pas. Ce n'est que les consoles Xbox One. Mais là, vous pouvez utiliser avec les consoles nouvelle génération. Voilà, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas évidemment le petit pouce bleu, très important pour soutenir la chaîne. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Salut, salut!